When I was a young man, I had liberty, but I did not see it. I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it. Tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Odyssey pour une vidéo que vous attendiez tous, puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais enfin vous présenter mon build. Oui les amis, eh oui, vous avez été nombreux à me demander ça dans les commentaires de mes dernières vidéos sur le jeu. Hein, vous aviez tous été étonnés que je fasse autant de dégâts au corps à corps, que c'était que des coups critiques, que je one-shotais tous les ennemis, en assassinat, hein, précisons-le. Que les boss, je leur sifflais leur barre de vie ultra rapidement. Voilà. Aujourd'hui, je vais tout vous dire, je vais vous dévoiler la vérité. Juste avant, je précise quand même qu'il s'agit bien de mon build. Tout a été fait entièrement par mes soins. Je ne me suis pas inspiré de quelqu'un d'autre, d'une autre vidéo ou quoi que ce soit. C'est mon build. C'est selon mon style de jeu. D'ailleurs, mon style de jeu, je vais vous dire hein, ce qu'il en est. C'est que moi, déjà, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est élément, poison, feu, non, pour moi je n'en veux pas. Pour moi ce n'est pas Assassin's Creed ça, quand tu enflammes tes armes et tout. Voilà, déjà j'ai fait un... Voilà, j'ai un peu pris sur moi pour certains pouvoirs. Genre arrêter le temps, se téléporter pour envoyer la lame, etc. Bon, ça encore je tolère. Mais alors le feu et le poison, c'est bon, là on a atteint un niveau... On est dans The Witcher quoi, on n'est pas un sorcier quand même. Bref, donc c'est ça mon style de jeu, c'est vraiment de rester le plus classique possible. Et en restant classique, justement, ça m'amène à être, à avoir fait un build hybride entre guerrier et assassin. Voilà, en gros, c'est-à-dire que je joue le plus souvent en assassin, hein, quand je vais dans un fort par exemple, j'essaye vraiment de la jouer discret pour assassiner mes cibles, mais il arrive très souvent... Que je sois amené à combattre, hein, puisque au bout d'un moment dans un fort on se fait repérer et là bah, on doit pouvoir se défendre. Il faut pas tout placer dans la catégorie assassin, il faut aussi mettre dans la catégorie guerrier. Et c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible pour réussir à m'en sortir. Voilà, en cauchemar en plus, hein, je précise. En temps normal je joue pas en cauchemar, mais là tout ce que vous avez vu avant dans le gameplay, c'était en cauchemar, et vous avez vu, je me suis plutôt bien débrouillé, les ennemis tombaient super rapidement, voilà. Voilà, vous faites ce que vous voulez, après vous pouvez l'améliorer, vous pouvez me dire aussi dans les commentaires, Joe, je pense que tu pourrais changer ci, changer ça, ça serait mieux, voilà. Vous êtes libre, on est là pour discuter, si vous avez mieux, tant mieux,
Si vous avez pire, bah, ne vous exprimez pas. Hein. Bref, allez, trêve de bavardage. On va tout de suite dans le menu inventaire et je vais vous expliquer tout en détail. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous détailler tout mon équipement, après toutes mes aptitudes et après tous mes niveaux de maîtrise. Hein. Donc il y en a pour un petit moment. Mais je vais essayer d'être rapide quand même. Donc, en arme passive, parce que moi je joue uniquement avec l'épée. Mais en arme passive, j'ai pris le Labrisse du Minotaure. Déjà parce qu'il accorde 25% de dégâts de guerrier, donc ça c'est pas mal. Hein. Quand on est en combat, bah, on va pas cracher sur 25% supplémentaire de dégâts. Il me rajoute aussi plus 50% de dégâts critiques. Bon, ça, ok, très bien. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le moins 1 de coup d'adrénaline pour aptitude surpuissance. Alors, la surpuissance, moi, je l'utilise pas mal de fois parce que ça permet de temporiser le combat. Quand je suis entouré d'ennemis, que je me suis fait repérer, qu'il y a facile 4-5 mecs devant moi, j'utilise la surpuissance, hein, c'est le fameux coup où Alexios enchaîne, ta. Ça me permet de me reposer et de switcher dans mes aptitudes, hein, dans l'arbre d'aptitudes. Vous allez voir, je vous expliquerai juste après. Donc c'est pas mal, et en plus, ça, du coup, ça ne me pompe pas trop de ma barre d'adrénaline, puisque ça m'enlève un coup d'adrénaline pour l'aptitude. Voilà, et juste après, j'ai été chez le forgeron et je me suis gravé la gravure légendaire, moins 25% de durée de recharge pour toutes les aptitudes. Alors ça aussi, ça fait partie de mon style de jeu, hein. J'utilise beaucoup les aptitudes, on les verra juste après, et du coup, j'ai besoin qu'elles se rechargent assez vite. Voilà, donc j'ai utilisé cette gravure. Ensuite, l'arme que j'utilise, moi c'est une épée, hein. Pour moi, depuis le début, Assassin's Creed, c'est les épées, hein. C'est pas des lances, des bâtons, des ceci, cela, donc je veux rester classique, j'ai pris une épée. Et j'ai pris l'Orgueil du Lion, qui me rajoute 25% de dégâts d'assassin, 30% d'adrénaline par coup, ça c'est vraiment pas mal. Hein. Quand je tape, ça recharge ma barre d'adrénaline, ce qui me permet d'utiliser mes aptitudes. Donc c'est cool. Mais aussi parce qu'elle a la gravure légendaire, l'aptitude assassinat enrué affecte un ennemi supplémentaire. Et vous savez, l'assassinat enrué, c'est quand Alexios lance sa lame pour assassiner un mec, puis il peut enchaîner et la relancer sur un autre mec, puis il peut le refaire, il peut le faire jusqu'à 4 fois. Avec cette gravure, on peut aller jusqu'à 5. C'est-à-dire que quand j'ai un groupe de 5 mecs devant moi, que je ne suis pas encore repéré, bah je peux me les faire, les 5. Je les one-shot, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, et je me suis rajouté la gravure, plus 30% de dégâts à pleine santé. Puisque une partie de mon build va justement se baser sur la pleine santé. Voilà, le but quand même dans un combat, c'est de pas de se faire toucher. Donc tant que je vais être en pleine santé, je vais faire énormément de dégâts. Voilà, c'est là l'intérêt de mon build. Donc je me suis rajouté cette gravure. À vous de voir si vous voulez faire la même chose. Ensuite, pour l'arc, je vous cache pas qu'il est pas ouf. J'ai pas trouvé d'arc très intéressant, que ce soit en légendaire ou en épique. Bon, là, je me suis mis celui-ci. Franchement, les trois premières gravures, bah, y a mieux. Je vais pas vous mentir. Par contre, je vous recommande de lui graver la plus 30% de pénétration d'armure. Ça, c'est pour faire face à des ennemis assez coriaces, avec des gros boucliers, des grosses armures. En ayant les 30%, vous taperez un peu plus dans le corps, quoi. Vous leur ferez un tout petit peu plus de dégâts, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors là, c'est le plus important et c'est le plus chiant, parce que malheureusement, ça va vous demander de trouver exactement ou à peu près les mêmes équipements épiques que moi. C'est ça le problème, c'est que l'épique, c'est aléatoire. Vous pouvez très bien avoir le même casque que moi, là, le casque de mercenaire, mais il n'aura pas les mêmes gravures. Voilà, donc c'est un peu chiant, ça va vous demander de tuer pas mal d'ennemis, de faire des batailles de conquête, etc. pour looter. Vous allez devoir looter jusqu'à avoir les mêmes stats que moi à peu près. C'est chiant, je sais, mais pour avoir un bon build dans ce jeu, il faut malheureusement utiliser de l'épique. Parce qu'en épique, on peut avoir 4 gravures. Ce qui n'est pas le cas en légendaire, hein, regardez. Si je prends par exemple ce casque, bah j'en ai que 2, plus une que je peux me rajouter. Pareil pour lui, j'en ai que 2. Plus une que je peux me rajouter. Donc c'est pas ouf. Donc du coup, je me suis mis le casque de mercenaire qui me rajoute 24% de dégâts de chasseur. Bon, ça on s'en fiche. Mais là, très important,
plus 20% de probabilité critique à pleine santé. Et c'est ça que je veux, les amis. La proba critique, c'est le taux de chance à laquelle on va pouvoir faire un coup critique. Et moi, mon build, je vous le dis, il est à 100%. Donc là, j'ai déjà 20. Vous allez voir que par la suite, on va rajouter 20. 20, 20, 20 jusqu'à atteindre les 100%. C'est ça qu'il vous faut. Voilà, dès que vous avez un équipement avec plus 20% de proba, vous le mettez. Et en plus de ça, il me donne plus 50% de dégâts critiques. Ça, c'est tout bénef. Et je me suis gravé une gravure plus 28% de proba d'ignorer la moitié des dégâts. Alors ça, c'est déjà c'est une gravure qui n'est pas terminée. Hein, je ne l'ai pas encore poussé au max. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 40 ou 50%. Mais ça, c'est pas mal parce que bah, je ne suis pas invincible. Je ne vais pas esquiver tous les coups ennemis. Donc là, plus 28% de proba d'ignorer la moitié des dégâts, c'est plutôt pas mal. Ça permet de, quand on se fait toucher, bah on a 28% de chance d'ignorer la moitié des dégâts. Voilà, c'est écrit. Vous avez compris. Ensuite, manicle de Myrmidon Issou. Bon, voilà, ça c'est un brassard. Je sais pas, ouais, le bras. Qui ajoute 24% de dégâts d'assassin. Ouais, ça fait plaisir. Très intéressant, plus 100% de dégâts critiques à pleine santé. Donc là, vraiment 100%, mon gars, tu fais du dégât. Hein. Ensuite, plus 30% d'adrénaline par coup, hein, comme tout à l'heure. Donc vraiment, maintenant, là, quand je donne un coup, je gagne 60% d'adrénaline. Hein, ça, j'en ai tout le temps. Autant vous dire que j'en ai tout le temps. Et je me suis rajouté la gravure, plus 10% de proba critique, en sachant que tout à l'heure, j'en avais 20. Là, j'en ai 10 de plus. Ça fait 30%. On va arriver au 100%, vous inquiétez pas. On passe à lui. Le plastron athénien, donc plus 50% de dégâts critiques, plus 20% de dégâts armes lourdes. Ça, c'est quelque chose que je pourrais améliorer, parce que je n'utilise pas d'armes lourdes. Je devrais trouver un truc pour les épées, ça m'arrangerait, ça me permettrait de faire plus de dégâts. Mais bon, pour le moment, j'ai pas pu looter de plastron intéressant, donc je me suis mis celui-là. Et je me suis gravé, surtout, la gravure légendaire, 2% de dégâts infligés rétablis en tant que santé. Je vous l'ai dit, mon build fait énormément de dégâts tant qu'on a sa barre de vie pleine. Le fait d'avoir cette gravure qui nous rajoute 2% de dégâts quand on frappe un ennemi, eh ben ça me permet que même si je me fais frapper et que je perds un petit peu de vie, eh ben en tapant les ennemis, ma barre remonte, ma barre de vie remonte. Donc je pourrais refaire des coups critiques. Voilà, très important cette gravure. Hein. Ensuite, la ceinture Sentinelle Issou. Donc encore 24% de dégâts d'assassin, hein, c'est pour ça que je suis assez fort en assassin. D'ailleurs, vous voyez en bas, hein, je suis à 359 548. Pas la peine d'aller jusqu'à 500 000 de dégâts et tout, hein. C'est suffisant ce que j'ai, hein, ça one shot. Donc, ça rajoute plus 10% à tous les dégâts. Donc ça englobe les dégâts à l'arc, les dégâts à l'épée, les dégâts... Voilà, donc tant mieux. Et encore plus 100% de dégâts critiques à pleine santé. Ça, c'est incroyable. Et je me suis encore une fois rajouté les plus 10% de proba critique. Donc, je suis à 40% de chance de faire un coup critique. On va... Il y a encore 60% restant. Hein. Ensuite, chaussure légère Issou. Donc là, on est sur du plus 20% de proba critique à pleine santé. On est à 40, on en rajoute 20. On est à 60, les gars. 60% de chance de faire un coup critique, c'est quand même déjà pas mal, hein. On pourrait s'arrêter là, ça veut dire un coup sur deux, ça fait un coup critique. Encore 24% de dégâts d'assassin, plus 40% de vitesse en déplacement accroupi, c'est pas nécessaire, mais ça permet, c'est assez utile en fait quand vous jouez assassin, quoi. Vous vous déplacez un peu plus rapidement en étant accroupi, c'est pas mal. Et ensuite je me suis rajouté la gravure légendaire, toutes les flèches percent les boucliers. Parce qu'il m'est arrivé dans l'effort, souvent, de tomber sur des ennemis avec des boucliers. Alors, je me suis mis l'aptitude là qui permet de casser le bouclier, mais le temps qu'elle se recharge, ça met un peu de temps, donc je préfère tirer à la flèche dans les gars. Voilà, ça aide de temps en temps. C'est pas dégueulasse de l'avoir, mais vous pouvez toujours, encore une fois, je vous le redis, adapter ce build à votre style de jeu. Bref, donc ça, c'est fait pour tout ce qui est équipement. Ne vous inquiétez pas, je ferai une variante de ce build avec de l'équipement légendaire. Un équipement légendaire que tout le monde possède, hein, qui se débloque dans le jeu. Je pense que c'est le set pirate. Voilà, il est pas mal. Il s'adapte bien avec mon build.
Et là, tout le monde pourra le faire, vous ne serez pas obligé de looter de l'épic. Bref, maintenant on passe aux aptitudes. Alors, voici mon arbre de compétences, les amis. Donc, je me suis quand même mis quelques trucs chasseurs, hein, malgré que ce soit pas mon style de jeu. Mais c'est quand même bien utile. Alors, je me suis mis ça, déjà, le sixième sens. Ça permet de ralentir le temps quand on se fait repérer par un ennemi. Donc là, ils l'ont mis dans le chasseur, mais moi je trouve que c'est assez utile aussi en assassin. Quand je me fais repérer par un ennemi dans un fort, ça me laisse le temps de lui courir dessus et de l'assassiner. Ou alors, effectivement, de lui mettre une flèche, c'est sûr, pour qu'il évite de prévenir ses petits collègues. Donc, je l'ai amélioré qu'une fois. Vous pouvez le faire plus si vous le souhaitez, mais moi j'ai préféré garder des points d'aptitude. Ensuite, je me suis mis le tir multiple, qui permet de viser énormément d'ennemis. Donc ça, c'est pas mal, parce que je vous l'ai dit, mon build se base sur la santé. Et quand vraiment je me suis fait démonter, j'ai vraiment plus beaucoup de vie, eh bien tu prends le tir multiple, tu vises les 4 ennemis en face de toi, ça te remonte toute ta barre de vie. C'est super utile et en plus ça fait pas mal de dégâts, puisque ça prend un coup. Ça prend un coup, ça veut rien dire. Ça prend en compte le taux de coup critique. Donc c'est à dire que si ma barre de vie est pleine, quand je vais faire le tir multiple, ça va faire bobo, hein, je vous le dis. Vous l'avez vu de toute façon dans le gameplay, c'est un carnage. Ensuite, le tir dévastateur, donc ça c'est pour du 1v1 à distance, voilà, je charge bien mon tir, bim, je le one shot. C'est pas utile, mais je l'ai mis, voilà. Et ensuite, bah ça c'est maîtrise de l'archerie, donc ça permet d'améliorer les dégâts à l'arc. Pour moi c'est obligatoire, déjà que j'en fais pas énormément, là c'est utile. Et là, la surpuissance, ce que j'appelle le feu d'artifice. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes submergé d'ennemis, vous savez plus quoi faire, vous êtes paniqué, vous visez le sol, vous utilisez la surpuissance à l'arc. Ça va vous faire un feu d'artifice, ça va déblayer tout le monde autour de vous. Ça va vous laisser souffler, ça va vous permettre d'analyser la situation. C'est un truc que vraiment je recommande, mais encore une fois, c'est pas obligatoire, puisque je ne vous conseille pas de jouer à l'arc avec mon build, hein, c'est vraiment pas le but. Ensuite, là, on est dans le guerrier, c'est ça qui compte le plus. Je vous recommande, alors c'est pas vraiment celle-là déjà, voilà, non, la classique c'est second souffle. Alors second souffle, c'est pour vous rajouter de la vie. Encore une fois, hein, je vais pas le dire tout le temps, mais mon build est basé sur la barre de vie pleine. Donc, dès que vous devez vous remettre de la vie, enfin dès que vous en avez perdu, n'hésitez pas à utiliser cette aptitude. Alors c'est pas forcément utile, puisque déjà, on a le tir multiple, je vous ai dit. En tapant un ennemi, ça vous redonne un petit peu de vie, etc. Enfin, ça remonte régulièrement. Franchement, il n'y a pas tant besoin de ce second souffle. Mais ce qui est sympa, c'est la variante qui a été introduite dans les DLC. Le deuxième DLC, le sort de l'Atlantide. Vous avez cette variante, le dernier souffle d'Arès. Et en fait, ça vous accorde une immunité contre les attaques ennemies et la reconstitution de votre santé à hauteur de 5% de dégâts infligés, blablabli, blablabla. En gros, pendant 10 secondes, je suis invincible, et en plus, je me remets de la vie. Donc, pour le coup, quand vous êtes submergé d'ennemis, bah, une petite invincibilité, ça fait pas de mal. Je vous recommande aussi de faire toute cette rangée-là, de maître d'armes, donc ça augmente les dégâts de guerrier, ça augmente l'armure. Ça augmente les attaques de surpuissance. La surpuissance que je vous recommande justement. Qui n'est plus surpuissance d'ailleurs. En temps normal, oui. Non, elle est où la surpuissance? Non, bah non, c'est ça, je me suis trompé, désolé. Donc là, la surpuissance qui permet de temporiser le combat. Voilà, pendant l'espace de 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, le temps de faire son attaque. Elle se concentre sur un ennemi. Ça vous permet d'analyser tout ce qui se passe autour et de réfléchir à votre prochaine attaque. Donc je recommande la surpuissance. Je vous recommande aussi la fureur de la lignée, qui a été introduite avec le DLC de Darius. Donc vous pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas ce DLC. La fureur de la lignée, en fait, c'est une aptitude que j'ai améliorée qu'une fois, parce qu'elle ne sert pas à grand chose. Hein, même si vous l'améliorez au max, elle n'enlève pas beaucoup de vie, elle sert à rien. Par contre, elle a un truc assez intéressant, c'est qu'elle régénère 3 segments d'adrénaline. Donc là, quand vraiment vous avez utilisé toutes vos aptitudes, que votre barre d'adrénaline est vide, vous utilisez la fureur de la lignée pour remplir votre barre. Franchement, c'est pas mal. Je l'utilise pas souvent, parce que je suis rarement en rade
d'adrénaline, mais bon, sait-on jamais, quand vraiment on est submergé, on sait jamais, j'ai pris ça, ça coûte qu'un point. Et autre chose, c'est voilà, la percée de bouclier, parce qu'il arrive souvent d'avoir des ennemis avec des gros boucliers, c'est assez chiant. Alors on peut les percer les boucliers en faisant une attaque lourde, mais l'attaque lourde demande un peu plus de temps pour frapper. Et en général, les ennemis en face, eux, ils attendent pas et ils nous attaquent. Donc voilà, j'ai pris cette petite percée de bouclier. C'est pas mal, ça déblaye bien. Manque de peau, il faut attendre qu'elle se recharge. Et enfin, l'assassin. Donc j'ai pris évidemment assassin de l'ombre hein, pour assassiner, pour fouiller automatiquement les cadavres, tout ça. Ça, c'est sympathique. L'assassinat enrué qui vraiment est le cœur de mon build, hein, puisque je joue vraiment 80% du temps en assassin, a fait masse de dégâts. Donc là, je peux enchaîner normalement 5 fois les gars. Alors là, il écrit 3 fois, mais moi j'ai l'impression que je le fais 5 fois. Ouais, bah écoutez, peut-être que je le fais 4 fois au final avec la gravure de tout à l'heure. Rappelez-vous, hein, ça me rajoute une cible supplémentaire. Je me suis ajouté l'assassinat critique, donc ça c'est vraiment obligatoire les amis, hein, en utilisant l'assassinat critique vous pouvez one shot les mercenaires et tout, ça inflige 300% de dégâts d'assassin supplémentaires, sans compter toutes les gravures plus 24% de dégâts assassin qui étaient dans l'équipement, ça pardonne pas, hein, on va pas se mentir. La frappe héroïque, ça c'est très bien en combat, hein, ça one shot quasiment tout le monde, puisque ça pompe dans vos dégâts d'assassin en combat. Donc je sais pas si vous avez compris. Donc les dégâts que je fais en assassin vont être utiles pendant le combat. On n'a pas besoin d'être discret avec la frappe héroïque. Je me suis pris aussi maîtrise de la discrétion. C'est pas utile ça, c'est vraiment pour être plus discret quand on est en infiltration. On n'est pas obligé de l'améliorer jusqu'à 3. Et ça aussi c'est pas très utile, le voile funèbre. C'est pour ça a été introduit avec le DLC de Darius aussi. Ça permet de faire disparaître les cadavres. Pas très utile, hein, juste pour faire, pour éviter d'alerter les gardes. Voilà, tout simplement. Je pense avoir été clair sur ça. Du coup, je me suis attribué ça, les gars. Donc, attendez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire la même disposition que moi, mais moi, sur le bouton B ou le bouton rond, je me suis mis la frappe héroïque. Le bouton Y, c'est la folie d'Arès. Ah oui, bah je vous en ai pas parlé de la folie d'Arès du coup, si. Bah, la folie d'Arès, c'est vraiment aussi pour faire un carnage. Hein. C'est quand il y a trop de monde, bah voilà, on devient surpuissant, on est invincible aussi. Voilà, franchement, j'ai un build, mon gars, t'es rarement dans la merde. Hein. T'as toujours un truc. T'as l'invincibilité temporaire provoquée par ça, le dernier souffle. T'as l'invincibilité provoquée par ça. T'as de la vie qui remonte constamment. Franchement, tu peux pas crever, quoi. C'est impossible. Et donc, c'est là où c'est le plus chiant, les amis, c'est les niveaux de maîtrise. Et c'est là qu'on terminera la vidéo. Hein. Donc, le niveau de maîtrise, moi j'en ai eu pas mal. Puisque, je vais pas vous mentir, hein, j'ai utilisé la technique de farm d'XP pour avoir plein de niveaux de maîtrise. Mais, je vais vous expliquer quoi prendre dans l'optique, dans le cas où vous n'avez pas utilisé de technique de farm d'XP et que vous avez joué légalement. Voilà. Donc, à prendre absolument, c'est cette gravure, la proba critique. Ça rajoute encore une fois de la probabilité pour faire des coups critiques. Donc vous l'améliorez au maximum. Ça rajoute que 5%, hein, c'est dégueulasse, hein, c'est nul même. Mais ces 5%, ils sont très utile. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 100% de probabilité. Hein. Vous pouvez vous arrêter à 90%. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas utile. À 90% de chance de faire un critique, franchement, ça revient limite à 100%. Quoi. Il y a que 10% de taux qui pourrait vous casser les coups critiques. Donc, voilà. À vous de voir. Ça pompe quand même 20 points. Peut-être laissez-le à 10 pour avoir la moitié, 2,5, je sais pas. Ça, c'est pas utile. C'est pas utile. Faites-le si vous avez un surplus, mais c'est pas utile. Ça, c'est pas forcément très utile, mais essayez quand même d'en mettre un petit peu. C'est de la résistance à distance. C'est en fait quand on vous lance quand les archers, quand ils vous tirent des flèches.
Voilà. Ils font bobo en cauchemar, hein, vous le savez. Essayer d'améliorer un petit peu, oui, mais c'est pas utile, hein. C'est pas du tout dans les prioritaires. Je descends. Ouais, y a rien. Dans chasseur, y a rien. Je vous le dis. À part la proba. Dégâts de guerrier, là aussi, c'est pas le primordial. C'est encore une fois pour faire plus de dégâts à l'épée au corps à corps. Ce qui est important, c'est ça. Voilà, plus 4% de dégâts infligés, rétablis en tant que santé. On l'avait déjà en gravure sur une arme. On l'a déjà sur je sais plus quoi. Mais on va encore s'en rajouter. Pour que vraiment, à chaque coup qu'on donne, on soit plein de santé. Ça nous en redonne constamment. Même si on se prend une flèche. Tu tapes, t'as toujours de la santé, t'as toujours ta barre de vie pleine. C'est ça qui compte. Donc vous améliorez un tout petit peu. Hein. Moi j'ai mis 12 points, mais vous pouvez mettre 5, 6, 7, voilà. Ouais, ça s'additionne avec déjà tout ce qu'on a fait avant. Je vous le dis, normalement, on a toujours sa barre de vie pleine avec mon build. Et ensuite c'est tout. C'est déjà terminé, tu vois. On va dans Assassin. Et là, le plus important, c'est ça, les gars. C'est ça. Alors là, non, là, je vous le dis, même dans Chasseur, c'est pas le plus important. Le premier truc que vous allez faire dans les niveaux de maîtrise, c'est ça. La proba critique à pleine santé. Et là, vous bombardez, vous mettez les 20 points. C'est encore une fois, c'est la pleine santé, hein, c'est le plus important. Pareil pour les dégâts critiques. Vous mettez tout, dégâts critiques à pleine santé. Voilà. Vous pouvez aussi améliorer les dégâts à pleine santé. C'est pas dégueulasse, ça. Ça se prend. Mais bon, rien que dans ça, déjà, 60 points. Je suis pas sûr que vous les ayez. Hein. Mais en priorité, ces deux-là. Voilà. Quitte à laisser tomber les deux autres classes que je vous ai montrées, vraiment, concentrez-vous juste sur E2. Vous pouvez aussi mettre un peu de dégâts d'épée. Bon, on dit pas non. Les dégâts d'assassin sont déjà pas mal... Ils sont déjà pas mal boostés avec toutes les gravures qu'il y avait avant. Mais on peut encore booster encore une fois avec ça. On dit pas non. Un petit peu de taux d'adrénaline par coup. On dit pas non aussi. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, quand vous tapez, bah, ça vous remplit la barre. Voilà. Faut que vous soyez constamment plein de vie et plein d'adrénaline. Donc, on dit pas non, mais c'est pas très utile. Pareil, adrénaline pour assassinat. Voilà, voilà. Celle-là, très important aussi, si possible, hein, quand vous tombez sur des ennemis assez forts et des boss, vous rajoutez le bonus plus 20%. Donc, essayez d'améliorer celle-là. Essayez aussi d'améliorer celle-là. Primordial, hein, y a 4 des primordiales. C'est les probas, les dégâts à pleine santé et les deux, là. Dégâts élite à boss et durée de recharge pour toute aptitude. Ça permet de recharger très rapidement vos aptitudes en plein combat. Hein, une fois que vous avez utilisé... La fureur de la lignée, la surpuissance, tout n'importe quoi, bah ça les recharge assez vite. Voilà, c'est ça qui est bien. Et éventuellement aussi celle-là, plus 5% de proba de faire 25% de dégâts d'assassin. C'est une dissertation, la gravure. Mais en gros, ça vous permet d'avoir 5% de chance de faire 25% de chance de dégâts d'assassin à un nid, tu vois. C'est une galère, mais c'est très utile. Voilà. Je pense avoir tout dit, j'ai beaucoup parlé, je suis fatigué. En plus, je tourne cette vidéo, vous le savez, il est là en ce moment, il fait 35 degrés partout en France et tout. C'est une galère, j'ai peut-être dit tout n'importe quoi, je me suis peut-être répété, je m'en excuse les amis. Mais voilà, le primordial, c'est vraiment ces deux niveaux de maîtrise. Et s'il vous reste des points, utilisez-les pour les dégâts élite à boss et la recharge d'aptitude. Et après, s'il vous reste encore des points... Et bah balancez-les un petit peu partout où vous voulez. Voilà. Et donc, à la fin, vous devriez avoir un build assez, assez stylé. Je vais essayer de vous montrer du gameplay là en direct. Bah écoutez, on va se retrouver vers un fort. Il y en a un ici. Voilà, je vais rentrer dans le fort, vous allez voir. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. A tout de suite. Alors, mettons tout cela en pratique, les amis. Donc déjà on va prendre Icaros, on va scanner la zone, comme ça on se fera pas surprendre. Tatati, tatata. Il y a beaucoup de gens là-bas aussi. Bon, je vais pas scanner tout le monde. Ça devrait être bon, il y a du monde. Hein. Donc, je vous l'ai dit, hein, je suis très assassin, donc tu rentres comme ça, tac, tu one-shot. Tac, tu one-shot.
Voilà, je peux le faire 3 fois. C'est bon, normalement je peux le faire plus. Donc déjà vous avez vu, ça one shot et je suis en cauchemar. Hop. Hop, même si la barre de vie indique que vous n'allez pas le tuer, vous pouvez, puisque rappelez-vous, vous avez taux de coup critique à 100%. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus en détail. Regardez, est-ce que lui, par exemple... Voilà, regardez, lui, il a écrit que si j'appuie une fois sur l'assassinat, ça va lui enlever que sa moitié de vie. Sauf que j'ai 100% de taux de coup critique. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré, merde. Attendez. Je vous ai pas montré dans l'inventaire. Regardez les stats complètes, là. Merde, comment qu'on fait? Comme ça, voilà, regardez. Probabilité de coup critique à pleine santé, 100%, les gars. Et du coup, comme je fais 100%, eh ben, j'ai 518% de dégâts supplémentaires. Voilà. Donc là, ils me disent qu'en temps normal, je peux pas, mais j'ai 500% de dégâts en plus, donc... Ça va le tuer, quoi qu'il arrive. Voilà. J'ai pas fait un assassinat chargé. Hein. C'est un assassinat classique. Donc là, t'arrives. Là, je me suis fait repérer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ça ralentit le temps et ça me permet de l'assassiner. Ça, c'est l'aptitude dans le chasseur. Qui permet, justement, d'anticiper si on se fait repérer. Puis pareil, je pouvais pas tuer, mais j'ai mes dégâts critiques. J'aimerais bien qu'un mercenaire se pointe aussi. Ah, je suis repéré. Mais là, tu peux lui courir dessus parce que ça ralentit le temps. Et tu lui sautes dessus, bim. Là, tu cours. Bim. C'est tout le temps du one shot. Voilà, je suis en capacité maximale, bordel. J'avais zappé ça. Bon, je vais vider un petit peu, les gars. I'm sorry, j'avais pas prévu le coup. Voilà, ça devrait être bon. Si on pouvait éviter de me donner de l'équipement pendant que je tue les mecs. Ah, là je suis repéré, normalement, non? Oui, par un jeune homme là-haut. Donc là j'utilise mon 1v1 et voilà, mon attaque chargée à l'arc. Là, il y a du monde et on va enfin attaquer. Donc là, vous allez voir les dégâts que je fais en guerrier. Hein. Quand on est encerclé comme ça, je vous ai dit petit feu d'artifice pour déblayer tout le monde. Et voilà. On peut les finir à l'arc si besoin. Tant que je suis en pleine santé, j'attaque en critique. Ils sont où les gens? Ils sont là. Ils se font attaquer par Icaros. Voilà. Hein. Il reste plus grand monde dans ce fort. Hein. J'ai envie de vous dire. C'est qui lui? Ah bah c'est un mercenaire, tiens. Bah regardez. Normalement le mercenaire, juste en lui faisant l'assassinat en ruée, il va mourir. Regardez. Et voilà. Il est déjà mort. N'est-ce pas un build de fou, les gars? Bonjour. Et voilà. Bah voilà, hein. Je pense que... Là, on peut pas mieux faire comme démonstration. Hein. Je vous ai tout montré. Oh, j'ai ramassé des armes, c'est pas bon, ça. Ouais, y'a plus rien, hein. J'ai tout fait. Il reste un ennemi là-bas. Que je peux faire à distance, si je veux. Et voilà, merci. Le fort est vide. Ah non, il en reste encore. Bon, bah de toute façon, vous avez compris. J'aurais bien aimé montrer plus de combats, mais malheureusement, j'ai été trop efficace. C'est un petit peu comme ça que je joue, en fait. Voilà. Je me fais très rarement repérer. Et quand bien même je le suis, bah j'ai mon petit feu d'artifice, tout ça, quoi. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à reproduire ce build de chez vous. Je vous sortirai une version en mode légendaire pour que ce soit moins compliqué de le faire, vous ayez moins à looter. Vous pouvez aussi très bien essayer de le faire vous-même chez vous. N'hésitez pas à me donner des conseils si je peux l'améliorer.
Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me donner vos avis si vous l'avez reproduit. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous le validez? Voilà, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, portez-vous bien les amis. Tchuss.